Vendredi 22 mars 2024, Kate Middleton a pris la parole en annonçant officiellement qu'elle était atteinte d'un cancer dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui a fait le tour du monde. La suite après la publicité, la date du vendredi 22 mars 2024 restera à jamais gravée dans la mémoire des citoyens britanniques. Ce jour-là, Kate Middleton a officiellement annoncé qu'elle était atteinte d'un cancer dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Je voulais profiter de cette occasion pour vous remercier personnellement pour tous les merveilleux messages de soutien et pour votre compréhension alors que je me remets d'une opération chirurgicale. Ces derniers mois ont été incroyablement difficiles pour toute notre famille, mais j'ai pu compter sur une équipe médicale fantastique qui a pris soin de moi, et qui, à ma reconnaissance, a tout d'abord rappelé la princesse de Galles, dont l'état de santé était la cible de très nombreuses rumeurs. En janvier, Jai subit une opération abdominale majeure à Londres et, à l'époque, on pensait que mon état n'était pas cancéreux. L'opération a réussi. Cependant, les tests effectués après l'intervention chirurgicale ont révélé la présence d'un cancer. Mon équipe médicale m'a donc conseillé de suivre une chimiothérapie préventive et j'en suis maintenant au premier stade de ce traitement, a-t-elle ensuite poursuivi. Bien sûr, cela a été un choc énorme. William et moi avons fait tout notre possible pour traiter et gérer cela en privé pour le bien de notre famille. Comme vous pouvez l'imaginer, cela a pris du temps. Il m'a fallu du temps pour me remettre de cette opération chirurgicale avant de commencer mon traitement. Mais, plus importante encore, il nous a fallu du temps pour tout expliquer à George, Charlotte et Louis d'une manière qui leur convient, et pour les rassurer sur le fait que tout ira bien. Comme je leur ai dit, je vais bien et je deviens plus forte chaque jour en me concentrant sur les choses qui m'aideront à guérir, dans mon esprit, mon corps et mon âme, a également ajouté Kate Middleton. La vidéo de la princesse de Galles a fait le tour du monde en quelques secondes. En l'espace de seulement 2 jours, elle a été visionnée plus de 102 millions de fois rien que sur X, anciennement Twitter. À cela s'ajoutent quasiment 5 millions de vues sur Instagram, sans compter les visionnages supplémentaires générés par tous les médias qui l'ont repris sur leurs sites respectifs. Avoir William à mes côtés est aussi une grande source de réconfort et de soutien. Tout comme l'affection, le soutien et la gentillesse dont beaucoup d'enters vous ont fait preuve. Cela signifie tellement pour nous deux. Nous espérons que vous comprendrez qu'en tant que famille, nous avons maintenant besoin de temps, d'espace et d'intimité pendant que je termine mon traitement. Mes activités m'ont toujours apporté un profond sentiment de joie et j'ai hâte d'être de retour quand je le pourrai, mais pour l'instant, je dois me concentrer sur mon rétablissement, avait finalement conclu Kate Middleton. La princesse de Galles a d'ailleurs reçu de très nombreux messages de soutien suite à la publication de cette vidéo. La suite après la publicité.